Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry où on rejoint notre petite famille. Regardez, on va faire les voyeurs là à travers la fenêtre. Oh, j'ai cru qu'il était tout nu, mais non. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez, j'avais vraiment l'impression d'être une voyeuse, c'est horrible en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Vous imaginez, vous avez des jumelles. Oh, ils vont faire crac-crac! Mais les coquins! Oh, les coquinous, ils font des crac-crac. Nous, on va pas regarder, hein. Ah non. De toute façon, on verra. Hein. Donc, on reprend là où on s'était laissé. Hein. Voilà, voilà. La petite biquette de Dahlia a été relookée. Je suis repartie sur du orange comme la génération de Copper. En vrai, je ne sais vraiment pas sur quoi partir. Je me dis que je vais partir sur ça. Et puis après, est-ce qu'on fait orange clair? Je ne sais pas. Ah, par contre, les cages, elles sont dégueulasses. Oui, bah, vous attendrez, là. Comment il s'appelle, déjà? Roger et Merguez. Ah, bah, Roger, il est en sale état. Hein. Faudrait pas qu'il meure. Si je vois la notif, on va s'en occuper, parce que... Par contre, t'es pas coincé dans ton truc, toi? C'est Merguez. Merguez, il s'éclate dans son truc télescopique, là. Merguez! Merguez qui s'éclate de nouveau dans son sable! Incroyable. Et on a la petite deuxième, hein, Melba, qui est là, qui est calme, c'est bien. Par contre, Chamallow, il pue. Elle doit pisser et lui, il doit se doucher. C'est bientôt l'anniversaire de Melba. Bon, j'ai une notif, j'ai peur. Hein. Ah. Non, mais j'ai peur que Roger y rende l'âme. Déjà, la semaine dernière, on a perdu Saucisse, alors. Faudrait pas qu'on perde Merguez ou Roger. Hein. Et coucou Marie! Bienvenue Marie! Bienvenue les petits belges de Marie! Oui, j'aime bien t'embêter avec ça. Et coucou, on vient de commencer le Not So Berry. Ah tiens, si t'es levé, tu peux nettoyer les cages, s'il te plaît, avant qu'ils clamsent les deux là. On vient de commencer, hein, donc. Don't worry. Wesh. Comment vas-tu? Ça s'est bien passé? MDR Melba, je débarque, mais franchement, en train de trouver. Ah, c'est mes abonnés qui choisissent le prénom. Moi, je propose des prénoms que j'aime bien pour chaque couleur, et puis après, bah. Comme là, c'est lui, c'est génération rose, mais ses enfants, c'est génération pêche. Il faut une. Quelque chose qui correspond à la génération pêche. Voilà. Il est rassasié, mais. Attends, tu peux jouer avec lui qu'est-ce qu'il a Ouais. Roger, il est en sale état, il va claquer, je pense. Ça fait voyeur de voisinage, c'est ça? Oui, Ruline, j'ai remarqué. Et coucou Sandra, coucou. Je ne sais pas qui est arrivé entre temps. Du coup, Yukimi qui est là aussi, j'ai vu. Oui, j'ai des nouvelles familles dans le CF, ça prend la forme doucement. Bah tant mieux. Il va déjà bosser? Ah ouais, bah va prendre ta douche, mon piqué. Bon, Roger va mieux? C'est bien, Roger ne va pas mourir tout de suite. Ah, toi, va pisser, hein, biquette. Ah, je vais avoir des biquettes par-ci, par-là, parce que j'ai... Et pour ton info, ta maison de seigneur était déjà mise, mais à Willow Creek. Prout d'abord. Mais non, mais c'est bien, mais il faut... Oh, Fox est mort! Le petit dernier de la génération orange, il est mouru. Est-ce que tu peux les mettre dans les autres mondes? Enfin, ça dépend où tu joues, en fait. Il a trop mangé de gâteau pour mourir si tôt. Ah, bah non, il était vieux, hein. Disons que les deux garçons de la génération orange sont morts, et... Mais les filles, elles sont encore en vie. Ça va pas tarder, je pense, de toute façon. Les filles de la génération de Cop-Cop, ces deux sœurs, Autumn et Sunset, elles vont bientôt clamser aussi, hein. Voilà, elles sont vieilles, hein, donc... Ah! Autumn, elle travaille à Batou. D'accord. Je sais pas ce qu'elle y fout à Batou, mais elle y est. On la verra peut-être après le live. Ah ouais, c'est vrai qu'il a trop bouffé de gâteau. En fait, il a un petit infarctus, là. Mais attendez, parce que... Ah non, il va... Ah, j'ai confondu avec... avec Sam Sam du Legacy. C'est ce que j'allais dire, mais lui, il va devenir vieux.
Bah pas du tout, parce que c'est pas le même jeu. Oh là là, la poubelle qui est remplie. Quoi? Mais... Ah, oh, je pense que c'est parce que ça s'est dédoublé, c'est ça? Ouais. Ah. Oui? Alors je veux le berceau qui... Oui, alors d'accord. Ok. Ouais. Ok, merci. J'adore ce jeu. J'ai toujours ce bug. Hein. Alors, nourrir au biberon, apaiser. Échanger la couche. Bistouquette, là, va dormir, ma cocotte. Ouais, vas-y, va finir ta nuit. Parce que là, y a maman, elle est pas encore... Ouais, mon écran qui s'éteint. Trop bien. C'est bon. J'adore quand ça fait ça. Maman, elle est pas encore au... Enfin, voilà, elle est pas encore au petit. Après, elle ira faire la vaisselle et tout, là, hein, quand même. Oh, regardez comme il est beau! Il a pas fini de s'occuper de sa fille. Bah, bravo. Franchement. Chamallow, ça ne va plus du tout. Alors, aujourd'hui, faut pas qu'on oublie. Écrire un autre livre. 5 bons livres. On va essayer de faire ça aujourd'hui pour... est-ce qu'on termine son aspiration? Pas encore. On n'est qu'à la deuxième étape. Ah ouais, atteindre 6 négociations, publier 10 livres, 5 livres excellents... Avoir gagné 25 000 de droits d'auteur. Oh ouais, d'accord. Et terminer 3 best-sellers. Ok, très bien. Très bien, très bien. Oui, alors t'attendras avant de faire la vaisselle. Hein. Parce que là, t'as petite qui pue des fesses. Va occuper ce... On a la première qui va se mettre à... Tiens, viens manger ça, tiens. Le pain au fromage de papy. Papy est mort depuis longtemps, hein. Et tu vas bouffer son pain au fromage. Il est toujours frais. Mais lui, il va se morfondre parce que sinon, il va jamais... voilà, il va penser à son tonton. Ça va? Tu peux lui parler, tu peux... Ah bah non, c'est bon. Ouais, écoute, tu vas vaquer à tes occupations, ma petite. Ouais, bouffer. Rapport de droit d'auteur. Pas mal. Femme enceinte, monde d'emploi pour les hommes paniqués. 195 simflouz quand même. Le droit d'auteur, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, ça va. Hein. Une bambine, une bébé. Et un autre dans le bide. 3 étapes pour faire un enfant. Donc, j'ai pas eu de jumeaux, alors ça va. Ça va être beaucoup plus tranquille. Salut Snow Queen, comment vas-tu? Alors, tu peux aller faire pipi, toi? Pas encore. Va empiler des trucs, là. Puis après, t'iras faire une sieste. J'aime trop quand les bambins font des siestes, parce qu'on est tranquille pendant ce temps-là. Ah, Roger, il kiffe sa vie! Le retour du grattage dans le sable, c'est Roger, cette fois-ci. Ah oui, ah, j'aime ça. Ah, j'ai les papates. Ah oui, ah. Mais... N'a pas faim, niveau faible. Ah putain, c'est pas pour nous. Attention, niveau faible. Ah. Et comment ça va les poteaux de la rediff? Je veux un max de pouces en l'air sur la vidéo et des smiley boules dans les commentaires. Voilà. Pensez à venir nous rejoindre en livoussi. Agent 21 boule, agent 21 boule. L'habitat contient déjà de la nourriture. Voilà, ça c'est bugué. Merci beaucoup Marie pour cette propagande. Merci beaucoup. Déjà 3, ça passe vite. Mais quoi? Mais je t'ai... Mais t'as mangé? Pas assez apparemment. Parce que là, il faut qu'il... Voilà. Allez, tu vas bouffer? Tu vas la mordre? Vas-y, Roger. Allez, Roger. Toujours là pour te servir ma poule. Regardez-moi ça. Ça me fait rire à chaque fois. Pardon. C'est bon, elle est immunisée. Quand elle sera plus enceinte, on peut-être qu'on aura peur, mais là on rigole. Elle accouche quand, dis donc, celle-là? Oui,
Oui, non, mais tu nous laisses tranquille, toi. Troisième trimestre dans 23 heures. Ah oui, ça va, elle vient de passer au deuxième. On a de quoi, parce que là, je la vois se comporter comme une grosse dondon, là. On a le temps d'attendre, hein. Oh, il a perdu son niveau de célébrité. Du coup, il a de quoi encore plus se morfondre au boulot, hein. Compétence 3, mouvement. C'est bien! Allez. Va te coucher, tiens. Va faire ta petite sieste. Et merci, Michou Love Fan, pour ton follow. Bienvenue à toi. Sinon, tu fais... Arrête. Laisse ta fille tranquille. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, elle, pendant ce temps-là? Certes, elle pourrait travailler. Vas-y, on va prendre un contrat. Vêtements de sport pour pantouflard. Catalogue printemps de pyjama youpi. Chic et mode. Ah, je vais prendre ça. Chic et mode. Alors, prendre photo en tenue habillée. Faire approuver la photo. Faut cette photo Sims Simon. Modifier la tenue d'un Sims. Alors, qui c'est qu'on va venir prendre en photo? Quelqu'un de beau. Voilà, dans le quartier, je suis pas sûre qu'on ait de quoi faire, hein, en vrai. La facteuse. Bah, la facteuse. Bonjour, madame la facteuse. Vas-y. La facteuse, ça va. On va la relooker, c'est pas un problème. Vas-y! Alors. Amical. Vous pouvez faire mieux! Quoi? Parce que t'es peut-être une photographe et une férue de mode, peut-être? Hein? Ces photos ne sont pas très bien cadrées et elles pourraient être un poil plus éclairées. Mais va, je vais, je me. Oh, va, putain! Oh, fais gaffe, toi! Je te dis, en deux clics, t'es morte, hein. Elle croit quoi, elle? Quel méchant ce hamster. Vilaine bête. Mon compas se fait régulièrement pardon dans la pince, c'est plus sanguinaire. Aïe, aïe, aïe. L'enfer. Alors, attends. Indépendant. Attends, modifier la tenue d'un Sims. Et demandez-lui de changer de tenue, c'est ça. Donc, voilà. C'est dans Amical. Demandez d'avoir une tenue. Un billet. Mais est-ce que je peux vraiment la relooker? Ouais, oh, c'est sans tes fringues. Oh, ça fait peur, hein. Demander de changer de tenue. Ouais. Ça va, on va te relooker, tu seras méconnaissable. Oui, bah c'est va, bah, oui, bah donc c'est ça. C'est tout alors, c'est comme ça, c'est. Y a pas d'enfant qui pleure à la maison? Zut! On va devoir se contenter de ça! Ah, tu peux le mettre dans l'inventaire? Vas-y, je vais essayer de te le mettre dans l'inventaire. Eh! Hop! Non, ça veut pas. Alors, tu vas prendre une photo. Pourquoi tu veux pas? Bah si, tu peux prendre elle. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Ouais. Quelle beauté. Oh mais ça marche pas! Oh putain, de toute façon t'es trop mal habillée. Ah, vas-y, tu dégages. Attendez, on va revenir à la maison. On va prendre quelqu'un qu'on connaît. Sakura! Allez, on va demander à Sakura. Moi, Sakura, elle est belle. Elle est belle comme un cyclamène. Ouais, cherchez pas. Sakura! Sakura, mieux comme ça! Si tu mets des baskets, ça sera super chouette.
J'ai mis quelques-unes de mes Sims dans le notes au chalet. Merci Elisa, c'est gentil. Attends, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle a faim. Maman, j'ai faim. Tiens, tu vas la mettre au pot. Après, on va sortir à bouffer rapidement. Oh. Maman, maman. On doit travailler, nous, hein, tabarnak. Sakura, elle est là, hein. Sakura va s'occuper de la petite. Oh, mon Dieu. Un enfant sur le pot. Vas-y, vas-y. Essayez de réconforter. Oh, niveau 5 de l'éducation. Super. Ensuite, est-ce que... Tu vas la complimenter. Indépendant, demander de changer de tenue. Voilà, ça, on va faire ça comme ça. C'est moche, madame. Ah, complètement, ouais. Puis ça marchait pas pour la prendre en photo, donc on fait ce qu'on peut. T'as déjà fait? Ah oui, punaise. Eh bien, tu peux manger des pancakes. Viens manger des pancakes, ma petite. Voilà. T'inquiète, Sakura, on arrive. Tu vas devenir modèle photo. Je me souviens plus ce qu'on lui avait mis en tenue habillée. C'est habillé, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Habillé. Oui, elle est belle en plus. Oh, elle est trop belle. Allez, prends une photo d'eux. Yes. Yes. Elle est trop belle, Sakura, quand même. Non? C'est un style, hein. Ah, c'est mieux que l'autre, hein. Et pourquoi elle est triste? Ah, elle a pissé à côté de la cuvette. Bah, ça arrive, hein. Oui, c'est bien. Allez, viens. On va prendre une photo. Viens, Sakura. Ah ouais, les choupettes, hein. On lui a... J'ai bien relooké quand même. Voilà. Ah, ouais. Alors, pas cette pose-là. S'il te plaît. Tu vas faire une... Voilà, comme ça, c'est bien. Tac. Tac. Comme ça. Qu'on vient de me dire après qu'elles sont pas cadrées, mes photos. Tu vas voir, ouais, si je te les cadre pas. Moi, c'est moi qui vais t'encadrer, tu vas voir. Oh là là. Oh la BG. Oh la BG. Bon, c'est vous qui avez voulu qu'elle soit photographe, hein, donc on perd du temps là-dessus. Hein. C'est comme ça la vie. Hein. Bah, dis donc, hey, c'est qu'elle se plaît en tant que mannequin, elle. Alors? Voilà. Sakura devient une bonne amie. C'est super! Tiens, tu veux toucher les bébés? Ah, comme d'hab, ça rôme un petit peu. On va en sauvegarder. Quelle beauté cette Sakura. Bah oui. Salut Anaïs, comment vas-tu? Oui, tu veux nous toucher le bidet? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ballon de foot? Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer aux clients? Pour la photo. On va regarder ça. Punaise, elle en a plein maintenant, des photos. Alors, on en a une comme ça. Elle est exceptionnelle. Oh, rien que ça. Hein. Ah, nous, on fait des photos de ouf. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Oh, pour les portraits photos de Sakura, ça aurait été pas mal, hein. On aurait pu avoir une belle... Une belle héritière, mais le jeu a dit que non. Tiens, Chamallow est revenu. En plus, avec les espèces de broderies, feuilles et fleurs, avec les derrière, j'aime beaucoup. Je vais mettre celle-là. Je vais envoyer celle-là. On va envoyer celle-ci. Parce qu'elle est vraiment très très... Je l'aime beaucoup, celle-là.
Voilà, hein, si vous voulez vous tenter de faire photo, n'hésitez pas. Ah, c'est l'heure de la pub. Anaïs a acheté la pub. Donc, merci à tous ceux qui verront la pub sur Twitch. Vous contribuez à me rendre absolument richissime. C'est pas vrai. Mais ça m'apportera quelques centimes. Et donc, je vous remercie et à tout de suite. Hop. Ça... Ok, on va attendre un petit peu. Ah, en plus, il y a bébé qui pleure. Elle a encore, c'est encore chié dessus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Papa, papa, tu veux donner un bain à Dahlia? Pas faire un crac-crac avec Dahlia, ce serait bizarre. Oh, elle allait voir son petit papou. Ah, papou, il va s'en occuper un petit peu. Et après, papou, il va écrire. Parce que papou, il a encore plein de trucs à faire. Écrire un livre de genre. Livre des joueurs, allez. Un petit livre comique, là. Sakura, la belle gosse, hein. Pas de soucis, Martial, t'inquiète. Et salut, Sean, comment vas-tu? Coucou, YouTube. Oui, elle est super comme des photos, n'est-ce pas? Et franchement, je trouve que j'ai fait des trop belles photos, en vrai. Ça rend trop bien. Et puis, ben, la tenue et tout ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on passe le riz, hein. T'as encore la dalle, toi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est toute mouillée? Ah, parce qu'elle était dehors. Ils vont comment, Saucisse et... Non, Roger... Attention, niveau faible. Mais ça va aller, hein. Tu vas parler au rongeur. Tu vas dire un secret à Roger. Ouais, puis si tu veux, tu pourras manger haricots saucisse. Mais pourquoi elle mange pas, elle aussi? Oh là 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 là. Est-ce que vous avez un titre sympa? Un titre pour rigoler? Avec notre ami... Les flatulences et vous, ça gaze. Quel humour, les Sims. Mais nous, on est pire que vous, en humour. Du coup, j'ai pas eu d'appel, donc demain, boulot. Ah merde! Zut, flûte mince. Est-ce que vous avez un petit titre joueur pour Chamallow? Le P foireux. Allez, le P foireux. Ça passe. Le P foireux, différentes traces dans le slip. Padam. Parce qu'il faut qu'il écrive encore des bouquins. Alors, au niveau compétences pour Monsieur Chamallow, nous sommes niveau 7 en écriture, hein, bien-être 7 également. Ah, bon, on va essayer de passer niveau 8 aujourd'hui, bon, avec la vie de famille et tout. Je ne promets rien. C'est bien, après, elle ira bouffer. Le client a approuvé votre photo. Quel fantastique cliché. Je sais, je sais, je sais. Attends, mais moi, je sais. D'accord. Tu vois, on pourrait lui offrir une photo d'elle. En vrai. À Sakura. On va lui offrir. Amical. Alors, offrir un cadal. On peut lui offrir un cadal? Elle va aller dormir. T'es fatiguée, meuf. On peut pas lui offrir un cadal? Attendez, c'est moi qui ai pas les yeux en face des trous. C'était pas de la hérophagie. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est drôle, putain. Oh, Shirley. Tu te surpasses. Elles sont peut-être... Bah si, elles sont quand même pas mal potes, hein. Mais c'est là. Ah, elle va lui offrir une photo au pif. Je peux pas lui choisir? Oh, c'est pas drôle, en fait. Parce qu'il y a des photos qui seront même pas d'elle. C'est... Regardez, il y a des photos avec des gros doigts dégueulasses dessus. Tiens, une photo pour ton album, pour ton Instagram. Mais non, c'est la photo dégueulasse avec le pouce qu'elle lui a donné. Ah non, mais franchement. Et lui, ils sont des mamours, les deux, là. Bon, bah tant pis, hein, écoutez. Cul-cul, désolé, j'étais au téléphone. Salut, Ombre Queen, comment vas-tu? Il mérite de mourir, ces vilains hamsters. Oh,
si peu. Comme prochain titre de roman, j'avais le nom de la rose. Ah ouais, on a différents romans déjà, enfin des bouquins qui sont à base de avec rose. C'était sympa. Mon neveu, il a dit pape et foireau, mais prout mouillé. C'est pire. Enfin, c'est la même chose, mais encore foireux. Il y a différentes façons de comprendre, mais là, mouillé, on comprend quoi. C'est beaucoup plus pire. Eh, vraiment, elle s'est pissée dessus l'autre là. Eh, t'iras faire la le ménage après, là, tu crois quoi? Mais la gosse, elle mange pas? Viens manger tes pancakes. Bon, après, eh, c'est déjà l'heure pour elle d'aller au lit. Ah, c'est trop bien. Après, maman, elle ira la foutre au pot. Et après, c'est dodo. Est-ce que je t'ai dit bonjour au vrai Queen? Je te redis bonjour au cas où. J'espère que tu vas bien. Et recontent. Bon. Oui, t'es gentil, Sakura, mais ton frère, il est en pleine écriture. Oh, à cause de toi, il va dislike ma vidéo. Mais la gamine, elle a même pas le temps de bouffer. Sa mère, elle est toujours sur ses fesses, quoi. T'es colère, elle est fatiguée. C'est ta petite sœur qui t'a réveillée. Il y avait longtemps. La commande prout, la commande préférée du chat. Allez, mon petit, là. Faut bosser, hein. Tu bosses, allez. Mais parle pas à ta sœur. Il a bientôt signé son livre. Ah là, nous avons terminé une étape. Bravo Chamon, a terminé d'écrire tout un livre. Et donc nous devons publier 10 livres. On en est à zéro. Lol. Et écrire 5 livres excellents. Bon là il est crevax hein. Il est crevax, donc c'est pas grave, tu vas manger. Tu vas manger, tu vas prendre des restes. Voilà, du bon macaroni au fromage. Tu vas regarder la télé tout en mangeant. Et après c'est dodo. L'astico. Mais elle va pas dormir là la gosse, mais Germaine. Tiens, mange ton pancakes là, t'as rien bouffé. Elle a mis toute la journée à manger un pancakes quoi. Et après, on dit que c'est moi qui martyrise les gosses. Bah, c'est eux qui savent pas y faire hein, non plus. Hein. Moi, j'y peux rien. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de si incroyable à raconter, la sœur là? Tu as encore bouffé un truc? Allez, bouffe encore. On a encore toutes les pâtisseries de Copper. Donc, Eh, c'est ça, salut Sakura. Voilà, il se remonte les petits besoins. 23h. Et elle a enfin fini son pancakes. Allez, va te coucher. Pas la peine de faire des crises. Oh, sa sœur. Oh, c'est pas vrai. Pile quand je lui dis va te coucher, t'as la sœur qui commence à brailler. Je t'ai dit non! Va t'occuper de la petite! Oh là là! Ouais, mais elle va pas vouloir dormir! Jamais 10 ans à se coucher, assis. Non, bah non, elle se réveille. Dormir. Ta soeur se tait, tu peux y aller. C'est bon, toi? T'es remontée? Oh, allez, donc, dis donc, dis donc, dis donc. Dodo, pas de crac-crac pour ce soir. Ceinture. Heureusement, dans ce challenge, on n'est pas obligé de faire des enfants tout le temps. Elle est molle, la Amine. Oh. Il y a Roger qui est en train de faire des trucs bizarres dans sa maison, là. Il fait un peu de soudure, là. Il est peut-être en train de construire une fusée, hein. En vrai, on sait pas.
pris par des explosions nucléaires avec les hamsters. C'est ce que j'avais eu une fois dans le Decade. Qu'est-ce qu'ils ont? Rêve de rongeur. Est-ce de la musique dans l'habitat de merguez? Ce rongeur est la preuve vivante de l'incroyable évolution des petits animaux depuis les danses de hamsters des années 2000. Moi, j'ai pas capté. Et ça va, ça rêve, elle faisait pas trop de bruit. Hein. Donc Roger s'éclate dans son sable. Je guette parce que... Ah. Ouais, c'est pas notre héritière. On s'en fout. Hop, tu viens. Non, tu viens là, toi. Non, tu descends, Dahlia. Pendant que l'autre, elle descend. Vas-y, va pisser. Et après, tu la remets au lit. Dis donc. Compliqué, la vie. Agent 21, cucu, coucou, Charlie, coucou, l'autre chat, coucou, YouTube. Bah, c'est gentil, tout ça. Oh, non, c'est... notre chambre, elle est là. Salut, Camille, comment vas-tu? Roger le mécano, c'est ça. Un voyage gratuit dans l'espace, si seulement. C'est l'anniversaire de Melba! Donc elle va grandir. Oula, le gros pipi! C'est un gros pipi, ça, mon petit! Cham, allo! Juste le temps de pisser et de se laver les zézettes. Oh, la petite, elle est encore en train de gueuler! Mais quel relou! Merguez a très faim. Oh merde. On n'a pas le temps là. Merguez a faim. Si Merguez a faim, il faut lui mettre de la bouffe parce que tu sais, il va crever dans 2 minutes sinon. Dépêche-toi Merguez. Va chercher. Va t'occuper de Merguez. Tout de suite. Immédiatement. Est-ce qu'il va mourir? C'est bon, regardez. Il va direct bouffer. Hein. C'est bon. Merguez a survécu. Il s'occupera pas de sa fille, encore une fois. Elle est où, là? Elle est où, elle? Bah, t'as réussi à monter les escaliers, toi. Bah, t'es bonne pour les redescendre, Jacqueline. Allez. En plus, tu t'es chié dessus comme une grosse dégueu. Qu'est-ce que tu manges? Un pain à la banane. Charlie va-t-elle perdre un rongeur aujourd'hui? Je n'espère pas. Ça va, m'a un peu saoulée. J'ai encore fait 45 minutes de rave au boulot, merde. La comtesse a sauvé la merguez, c'est ça! La comtesse a sauvé la merguez. Incroyable mais vrai! Ça, ça va mettre en titre des tabloïdes. Ah bah la fin! Ça aussi. Qu'est-ce qu'on va te mettre à manger? Allez, on va te mettre ça. Tu pourras manger une portion si tu veux. Quand t'auras fini de descendre, ça va. Ah, oh, petite sœur qui crie! Génial! Mais le bas, elle se chie dessus. Hein. Putain, tout le temps. Ce maman, elle fera la vaisselle après. Voilà. C'est pratique, hein, les bambins qui peuvent se nourrir tout seuls comme ça. Alors, les droits d'auteur, plus 757 pour Cham Allo. Il va retourner se morfondre, comme ça, on devrait être tranquille au niveau du décès. Donc, je vous rappelle que la petite biquette a les yeux verts, Dahlia. Ça changera un petit peu. Il y a toujours des bugs de bébé noir. Ouais, je les ai toujours. Encore, ça, c'est pas très grave. Parmi tous les nombreux bugs que nous pouvons avoir. Genre, t'as fini ton assiette. Ah non, regarde la télé. Alors, un employé vient voir Chamallow avec une idée qui, espère-t-il, permettra de rationaliser les ventes. Le nouveau processus est en rupture totale avec ce qui s'est fait jusqu'à présent, mais il pourrait permettre d'augmenter les bénéfices si les effectifs s'adaptent assez vite. Est-ce qu'on utilise l'idée ou on garde le processus actuel? J'ai envie de dire, on utilise. Je sais pas, je sens bien. Je sens bien. Sinon, il va aller vendre son idée ailleurs et voilà.
On utilise. Après, c'est pas très très grave, hein, parce qu'on doit pas aller au niveau 10 de la carrière avec avec Chamallow. Alors, on y go. Sous la houlette de Chamallow, le nouveau processus de vente porte très vite ses fruits. Les employés, comme les actionnaires, sont ravis de cette augmentation inattendue du bénéfice. Oui! Attends, je pense que t'as reçu la... T'as l'autre, là. Prends le courrier. Je crois que t'as reçu... Le ventre. C'est un ballon. C'est un ballon. Le ventre comme un ballon. Ça, c'est cadeau de le dire. Dirait qu'elle ouvrait la boîte avec... Avec son ventre. On a reçu la photo? Et moi, je sais même pas c'est laquelle. Hein. Il y en a trop. Déjà, il y en a deux là. Qui sont avec des nains de jardin, que je les jarte. C'était celle-ci? J'en souviens plus. Ah, mais en fait, on s'en fout. On a juste à. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Poster la photo. Ouais, bon. Ah, mais c'est toutes celles qui ont été approuvées, donc effectivement, c'est celle-ci. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je me suis. Je m'en ressouviens. Et elle est où? Elle est là, elle regarde la télé. Ouais, elle aime bien. Alors, je sais pas comment elle la regarde, la télé, parce qu'elle regarde droit dans le meuble en bas, mais. Ok. Ninana. J'ai rien pigé avec la nouvelle mise à jour de Phasmo. Oh, bah, c'est juste que quand quelqu'un meurt dans l'équipe, tu perds automatiquement 15% de santé mentale. Donc ça peut te bien, bien foutre en l'air tout le monde en fait. Oui, et puis en plus ça tombe bien, on est sur les Sims, ça va, j'avoue. Une blogueuse mode tombe sur la photo de Marina et la partage avec ses millions d'abonnés sur Simstagram, ce qui propulse la marque vers le succès. Le client est ravi et loue les compétences en photographie de Marina. 177 j'aime. Ah ouais, c'est pas beaucoup, hein? Pour avoir été RT, c'est pas des masses, hein, moi je dis. Tu sais quoi, tu vas prendre une douche. J'allais dire un bain, mais t'as deux petites filles. Si tu prends un bain, c'est un peu comme si tu foutais rien de ta vie. Oh, wait. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Non, 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 non. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais regarde, il y a plein de joujoux. Oh là là, des plein de joujoux à jouer. Incroyable. Ah, puis t'es fatiguée à faire une sieste. En vrai, les bambins, ils font rien, ils sont fatigués, quoi. En fait, ils sont fatigués de vivre, par défaut. Écoute, tu peux faire la vaisselle. Tu fais ce que tu veux. Va surveiller quand même les nos petits rongeurs. Attention, niveau faible. Oh là là. Ils sont chiants ces rongeurs aussi quand même. Arthur Moore a été adopté. Super, tant mieux pour lui. Mais pourquoi elle me dit qu'elle doit aller aux toilettes? Pas vraiment, hein. Si tu veux. Toi plaise. Tout va bien pour les petits Roger et Merguez. Donc tout va bien. En ce temps-là, Chamallow se morfond. En espérant. Quoi? C'est revenu à 2 jours! Mais il y a quelqu'un d'autre qui est mort. Et on l'a pas su. C'est Sunset. C'est Sunset qui est morte maintenant. Allez, on est reparti pour 2 jours de deuil. Style de vue obtenu, casanier. Bah oui, mais tu veux qu'on fasse quoi? On a des gosses. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Comment elle mate sa mère? Ah oui, c'est vrai, sa sœur. Ah oh, ouais, tu peux pas aller aux toilettes? Oui, bah c'est bon! Oh! Oh, tu t'as. Oh! Fais gaffe, hein, tu vas finir à la cave.
comme ça, il faut les mater les gosses. Comme ça. Propulser. Quoi? Rapide la vaisselle, tout à la poubelle. Bah c'est pas comme ça que vous faites, vous. Incroyable. Mais arrête. Ta mère, elle va te foutre au pot, là. Le te chier dessus, là. Non, quand le temps est toute seule, hein. Voilà. Ouais, c'est bien. Allez, Dahlia, pousse un coup. Ouais, 424 simflus. 424 dollars. Oh, biquet. Moi, là, tu es tout tristous. Mon. Oh là là. La vie de père de famille, c'est dur. Non, je dirai pas la suite. Ah bon, bah, tu vas me faire un livre triste. Attendez, il a besoin de divertissement. Joue à Blick Block et après tu me fais un livre triste. Dans le chat, n'hésitez pas à me faire un livre triste. Le titre d'un livre triste. Voilà, bravo Marie. Comme ma bite, grand sourire. C'est ça. Je n'ai pas osé. Quand même. Moi, ne pas oser. Incroyable, cette histoire. Le rose, c'est mon rose. Ah, c'est pas mal. Allez, on va s'y mettre assez... Quoi? Mais dors! Elle se fout de moi. Elle va s'évanouir alors qu'elle était dans son lit. Non, mais... Comme il n'y a qu'une seule proposition... Ah non, c'est la rose. C'est la rose que tu veux ou le rose? Je pense que c'est mieux le. Mais... C'est parti. Trop... Ah, trop tard, Héruline. Trop tard. Ah, faut être au taquin. Moi, pour les livres... Elle a encore fait à côté, cette goutte dégueulasse, là. Il va faire une sieste dans ton lit. Qu'est-ce que tu fais? Ton lit là, hein? Oui. Ouais, ouais. On n'est pas sorti de l'auberge, hein? Allez hop, tu fais le ménage, toi. Bon, il faut qu'il fasse du yoga aussi, lui. Hein. Faut qu'il fasse du yoga. En vrai, pour arriver au niveau 8 aujourd'hui, je sais pas si on va y arriver. Bon, au moins, faut qu'il fasse du bien-être. Pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de yoga pour pouvoir. Qui c'est qui tac à la porte là? Qui c'est ça? C'est quoi ça encore? Thierry Denis. Bah non, on veut pas de toi. Occupé, elle a sûrement chier... Ouais, bah, c'est chier dessus comme pour... Pour changer, hein, Melba... C'est une sauce, hein, Melba? Ben... On comprend pour mieux. Une sauce marron. Salut, Tundra, comment tu vas? Devoir de pré-examen et enfin terminé. Oh, y a ma prof. Super, tant mieux. Non, ça courra, on n'a pas le temps, on travaille. On peut me dire que ça, c'est l'autre qui est morte maintenant. Ce qui est encore automne, hein, mais automne va bientôt clamser aussi. Mais automne, c'était la première en plus. Mais c'est bon là, Sakura, ça va aller? Bon, toi, tu te casses par contre. Hein. Dégage. Melba, si est-ce un usine à étrang. C'est ça. Bon, casse-toi! Je t'ai dit de te barrer. Un appareil photo. Il va prendre la flotte, je l'avais oublié. Remarquez, on est dans les Sims, hein, c'est magique. Hein. Dans les Sims, c'est magique. On ne fait pas tout ça, ouais, ouais. Ouais, elle dort, elle a fait sa sieste, après elle y mangera. J'ai l'impression de ne pas prendre le temps. Hein, de, voilà. J'ai
peur. Agnagnagna, je suis fatiguée. Agnagnagna, je veux dormir. Agnagnagna, je dois pisser. Agnagnagna, j'ai trop joué. Ah. Et elle fout rien. Allez, mon biquet, t'as bientôt fini ton livre. Non. Ou ton beau est en colère, tu finis ton assiette, ça suffit, oui. Bon app, Guillaume. Mais coucou, Banner, comment vas-tu? Voilà, il va mieux. Il a exorcisé ses peines. Il va beaucoup mieux. Il est content, il est à la maison. Les casaniers. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Tu vas me bouffer hein, le dîner avec du jambon, sinon c'est moi qui vais te bouffer le jambon, là, tu vas voir. Il a terminé son livre. C'est bien. Et va faire ton pipi. Tu vas manger. Ah. Sinon, tu peux lui parler. Faire connaissance. Ton coucou, Kweba. Alors, tu vas manger mon petit biquet. Ensuite... Ah, le jardin! J'ai complètement oublié le jardin. Ah, tu vas tout vendre. Il y a des trucs à faire évoluer, là. Les carottes. Faire évoluer les carottes. J'ai oublié de faire son jardin. Ça va. C'est bien mon biquette. Et après t'iras méditer. Tout simplement. Elle va pas tarder à nous pondre. Hein. De toute façon, il faut que la deuxième devienne bambine, sinon ben ça va pas être possible. Vas-y, va, laisse la petite manger là. Tu regarde, ça va encore tomber dans les pommes en moins de deux. Allez, c'est bon, elle est partie ta mère. Mange. Mange tant que tu le peux. Avant de tomber dans les pommes. Ah bah c'est trop tard. Ah bah non, parce que je lui ai demandé d'aller au lit. Donc... En plus elle prend les pieds dans le tapis. Elle finit pas de bout. J'en ai marre de ces bambins qui finissent jamais de manger. Tiens, t'as faim. Viens manger ton dîner avec du jambon. Et puis t'iras te coucher. Quoi? Embarrassé? Commentaire maladroit? Bien sûr. Bien sûr. Allez, dépêche-toi. Pas que ça va faire. Ouais, la gamine, elle tombe dans les pommes. Elle tombe dans les pommes, c'est pas mon problème. Voilà. Il faut qu'il... On voit notre belle reine des culs. Ça va, ça va. Oh non, la petite, elle chiale maintenant. Oh. Mais dites donc. Et elle gueule sur sa sœur. Oh, quoi? Ah oh, bah c'est Autumn maintenant. Bon, ils sont tous morts. Voilà. C'est Autumn qui est morte. Ils sont tous morts dans la génération Grange. c'est fini. Tiens, tu vas aller sur le pont en attendant et tu iras dormir après. Oh, l'enfer. Il y en a que deux. Mais pourtant, c'est beaucoup plus simple. Hein. On va dire qu'en ce moment, je suis habituée aux jumeaux. Hein. Mais là, ça va, il y en a qu'un à chaque fois. Mais... sont rapprochés. Est-ce que Roger et Merguez ont quelque chose à dire? On va peut-être parler à Merguez un peu. Peut-être parler à Merguez parce que... Allez, Melba, il va falloir grandir, ma cocotte. Hein. Pendant que lui, il est en train de l'éviter. Pour l'instant, ça... Il est 2h du matin. Ah oui. Ah, et puis il a pas beaucoup. Légèrement. Il a légèrement augmenté de niveau. Mais c'est pas. C'est pas là. Allez, jusqu'à 20%, après je le fais dormir.
sachant qu'il n'est pas hyper crevé. Tandis qu'il méditait, Shamalo Renbo a une nouvelle idée de rapport que ses collègues vont adorer. Ah ouais? Ils sont tous morts, c'est bon, compréhension et tact en une personne. Mais ils crèvent tous là, qu'est-ce que j'y peux moi? Allez, 20%. Dodo. Mais la gosse, elle rechiale encore! Oh mais j'en ai marre qu'elle se chie dessus toutes les 12 minutes, elle aussi. Merde, hein! Oh! Oh, il y a une explosion chez Roger. Explosion nucléaire détectée. Il semble avoir de faibles traces de radiation dans l'habitat de Roger. Heureusement, leur niveau est trop faible pour être dangereux pour les Sims. Et dans quel genre d'ennui s'est mis ce rongeur? Mais Roger, c'est un thug. C'est le rong... l'hamster thug. Après, loi, c'est le rongeur. Enfin, le hamster. Oh, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas dormir, wesh! Viens pas dire que t'as faim. T'as pas fini de bouffer. Ces bambins sont insupportables. Allez, Melba, ça est à toi. On est tous là, on t'attend. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? On doit... Allez. Oui, bah va pisser. Oui, bah vas-y! Oh là là! Allez Melba, Roger montre des signes de vieillesse. Mon Dieu. Ah ça c'est les radiations et les rêves partis et la NASA, tout ça. Hein. Si ça vous intéresse, les cliniques vétérinaires vendent des friandises anti-vieillissement. Melba, on va te mettre un bouchon dans ton CL. Oh, mais Quentin, voyons. Allez Melba, ça y est. Oh, oh Dieu, elle est blonde pipi comme Pulco. Blonde pipi comme Pulco. Pulco citron. Votre avis, elle a les yeux comment? Les yeux revolver? Oh non, pas gauche le veto, c'est chiant. Non, elle peut pas avoir les yeux marrons. Soit les yeux de papa, soit les yeux de maman. Ouais, ça a l'air d'être des yeux verts, comme sa sœur. Ah, quoique. Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Non, ça fait peur d'aussi près comme ça. Bleu. Bleu-gris. Voilà. Elle a les yeux bleu-gris. 1, 2 et 3, elle sera angélique. Les cheveux jaune pisse avec une robe jaune pisse. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas babiller à ton papa? Bah, ça va... Alors. Mais qu'est-ce qu'il fait debout lui déjà? Mais t'as pas fini ta nuit, Jean-Claude? Allez, vas-y, va faire ta sieste. Oh là là, mais tu fais n'importe quoi. Là, elle va mettre bas. Elle... C'est maintenant qu'elle met bas d'ailleurs? Je pense, oui, c'est ça, c'est maintenant. Oh là là! Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah oui, elle déambule. Elle a l'air de ressembler un peu plus à sa maman, je dirais. Oh, elle est trop mignonne! Les yeux bleu-gris. Bah, je sais pas... Ah si! Bah si, parce que lui, il a pas les yeux bleu-vert, il a les yeux bleu-clair. Ah, donc c'est un petit mélange, mais... C'est les yeux du facteur. Elle est trop mignonne. Hey, viens faire une sieste là, ça va nous foutre la paix un peu. Et bien sûr... Oh, Merguez aussi! Oh non, on va les perdre tous les deux. Ça dure vraiment pas longtemps, ces trucs là. On peut pas les acheter sur le PC? Commander. Des friandises pour rongeurs. Anti-vieillissement. Allez, on va en claquer deux. Je sais que vous êtes attachés aux petits rongeurs.
jouer avec. Tu vas prendre une douche surtout. Puis tu vas lui donner friandise anti-vieillissement et anti-vieillissement. Allez. Ah ouais, mais il est reparti pour 3 jours de... merde, 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 merde. Attends, on va récupérer les friandises avant qu'ils claquent. Ta la la, voilà, tu peux aller bosser. Aïe, 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 aïe. Allez, viens leur donner la friandise, là. Mais elle bat très fin. Oui, ben, c'est bon. Qu'elle arrête de gueuler, elle va emmerder sa sœur. Tiens, il y a du jambon, là, à bouffer, si tu veux. Bon, je vais mettre là. Tiens, mange. Et Dahlia aussi, bah, viens, il y a mangé du jambon. J'ai plus le temps de vous lire. J'ai plus le temps de vous lire, hein. Bonjour, un accueil avec un beau regard. Comment ça? Salut la piclou, comment vas-tu? Bleu gris. C'est bleu, ouais, c'est bleu gris, c'est un espèce de bleu. Elle est lookée en jaune, c'est ça. Dans la vie antérieure de Melba, c'était Pulco, c'est ça. C'est peut-être la réincarnation de Pulcote, hein. Mais Pulcote a les yeux marrons, donc... Ah, ça y est! Est-ce que vous pouvez faire une petite prédiction pour les... pour le chat? Jumeaux ou pas jumeaux, évidemment. Hein, parce que... Et puis on va faire l'accouchement... Chamallow ne sera pas là pour l'accouchage. Mais c'est pas grave. En vrai, le mien, il a vécu 3 ans et 10 mois. Moi, j'avais un... Comment ça s'appelle? Une gerbille. Je sais pas combien de temps je l'ai gardé. C'est parti pour la prédiction, les enfants. Si ce sera jumeau ou pas. Cette fois-ci, je regarde avant de dire quelque chose. Oui, ça va. C'est jumeau, oui, non. Donc, n'hésitez pas à parier vos points de chaîne. Vous inquiétez pas, là. Elle va manger le temps de... Voilà, elle va manger avec ses filles. Sachant qu'on sait pas, c'est le sexe, c'est vraiment déterminé. Parce que ça... Alors, sinon, je pourrais mettre garçon ou fille. Mais si c'est jumeau avec les deux... Donc, préfère prédire jumeau ou pas. 1% pour le oui. Ah, c'est monté à 18%. Vous êtes... c'est inégal. Inégal. Tiens, toi, tu pourras... Non, pas être pour le pot. Tu vas être sur le pot comme une grande fille, ouais. Elle ira après. Elle ira voir. On dirait que Melba, elle est plus grande que sa soeur. Elle est toute orange, l'autre, elle est toute jaune. Ça me fait marrer. Avec les deux, on va refaire tout notre sauberie. Et avec la prochaine, on va faire... Alors, toi, tu peux regarder ta sœur, comme ça, tu apprends. Attends, plus de choix. Amical, regardez, voilà. Apprends le popo. Donc, n'hésitez pas à parier vos points de chaîne. Pour l'instant, il y a 64% de non avec 10 900 points. Et 36% de oui avec 6 300 points. 37% de oui. Vous êtes 13, 14 contre 7. Voilà, elle n'a plus de pouvoir là. Elle s'est chiée dessus. Quelle grosse dégueulasse. Ah, ah non. Et elle a grandi dans combien de temps? On a encore 4 jours devant nous. Ouais, quel bonheur. Les prédictions sont terminées, donc vous êtes 62% de non, pas de jumeaux, et 38% de oui, des jumeaux. Écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Puis après, on va aller voir aussi... Ah là, on a mis partout, mais c'est une grosse dégueu, hein. Après, ce sera les prénoms, en fonction de, déjà, du sexe et du nombre. C'est parti, mon zizi! Bébé numéro 3 de la génération pêche est en train de sortir du four. Qu'est-ce donc? Ce stress. Alors, ils sont où mes prénoms? J'ai oublié de mettre mes prénoms. Oh, zut! Ah ouais, j'ai changé.
J'ai baladé dans mon calepin. Non, mais en vrai, il faut que je rachète. Ah, c'est là. Ça va, c'était pas si loin. Il faut que je rachète un truc pour que ce soit plus clair, parce que là, je m'embrouille dans toutes mes notes. Déjà, garçon-fille. Moi, ça m'arrangerait d'avoir une petite meuf. J'aurais dû mettre 5 minutes. Non, c'est très bien. Très bien. Oh non, c'est un garçon. C'est pas encore, c'est que c'est un garçon tout court. Non, je voulais pas de garçon. Alors, en garçon, vous avez les différents prénoms. Nectar, Hibiscus et Toya. Oui, on a que ça. Voilà. Bon, bah c'est une égalité parfaite. Allez, je vais le jouer clean. On va refaire un sondage. Puisque bah, vous avez fait une égalité parfaite. Les 5 personnes, vu que c'est un nombre impair, vous allez vous décider entre les deux, en fait. Donc, c'est encore Nectar et Toya. Parce que c'est comme ça qu'on veut, en fait. Comme ça, je favorise personne. Je vais mettre 2 minutes pour le coup. C'est parti. Entre Nectar et Toya. C'est-à-dire que ceux qui ont voté Hibiscus, vous devez voter autre chose maintenant. Parce que égalité parfaite, c'est beau, mais voilà quoi. Ta 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 ta. Quelques secondes encore. Et il va s'appeler Toya, moi je le vois comme ça. Il va s'appeler. 20 voix pour Toya. Incroyable. Bah, si j'écris pas. Je l'ai pas écrit dans le jeu. Bon, maintenant j'ai très peur, hein. Puisque maintenant nous allons enfin décider du prénom. Est-ce que la prédiction. Que dit la préd? Que dit la prédiction? Et ce n'est pas des jumeaux! Voilà, la prédiction peut prendre fin. Nous avons eu un petit gars. Jouer à Les Sims 4 pendant 100 heures. Ouais, un peu plus quand même. Donc, voilà, le résultat de la prédiction était non. Et c'est 14 vainqueurs qui vont se partager quelques petits points. 17 716 points vont à 14 personnes d'entre vous. J'y ai cru, hein. J'y ai cru. Alors, elle est orange, elle est jaune. Et lui, il sera quoi? Il sera tout bleu? En grandissant, il va être tout bleu. Oh, je suis tristesse. Maintenant qu'il y a un garçon, j'ai plus envie d'en faire un quatrième, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'elle... Ah bah elle est pas contente. Oh là là, mais quelle saleté celle-ci. Va dormir, va. Ça nous fera des vacances. Aide pour le pot. Vas-y, maman. Laisse ta... Tu vas apprendre à la plus petite et après t'essuies. Oh! M'en fous que ce soit sale. Toi, tu vas te faire une sieste. Tu vas être calmé dans ton lit. Oh là là, Toya! On s'arrête à 3. Bah, j'ai peur qu'après, il y ait encore un garçon. Bah non, j'ai toujours pas perdu de points. Parier 3010, gagner 4141. GG, Camille! Mais seulement 3010 points? Oh. Quand vous en avez autant, vous pouvez en parier plus. Hein. Faut faire des all-in. Hein. Voilà, ça elle apprend à faire pipi caca, elle. Tout va bien. Toi, tu vas te morfondre parce que tu veux encore chialer. Hein. Voilà. C'est moi ou... Où j'entendais de l'eau. Il n'y a pas une fuite là-haut? Non. Bah c'est moi, je deviens folle. Il est déjà chiant, ce gosse. Ah, punaise. C'est bon, tu te calmes, Roberto, là? Roberto, ça lui va très bien. C'est chouette de girls et de boys. Ouais, non, non.
Parce qu'après, après, y a beaucoup de différences aussi d'âge. Et des fois, c'est chiant pour les élections. Je pense qu'en vrai, c'est bien, non? Vous pensez 3, c'est bien, ou vous préférez un 4? Et salut, Marvillanella, comment vas-tu? Je peux pas faire un all-in. Imagine, je perds tout et je peux plus booster ton live. Bah, tu en gardes 2000! Tu en gardes juste 2000 ou 10 000. Allez, tu te gardes un petit 10 000 de côté. T'inquiète, hein, ça reviendra. Hein. 3, c'est bien, on est d'accord. Allez. Là, c'est la déception, tu vois, on a eu un garçon, c'est triste. Ouais, tu me nettoies ça? Jacqueline! Et puis il y a ça aussi à nettoyer. Bon, après, tu iras faire une sieste. Parce que... Va falloir quand même que j'enlève bébé. Parce qu'on va avoir... Ah bah tiens, ça a pas bugué. On va mettre bébé là. Parce que... Elle a sauté de son lit. On va avoir quand même deux bambines. Pourquoi je peux pas le mettre? La 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 la. Voilà. Deux bambines et s'il y a le bébé qui pleure, ça va être relou. Alors que là, voilà, elles vont se partager la chambre. Après, ben, quand lui, il sera bambin, elle montera à l'étage pour ça dans sa chambre. Et voilà, ce sera très très bien. Eh, hey, tout le monde au lit, là. Tout le monde dort. Style de vie obtenu. Bourreau de travail. Oh, il a été promu alors que ça fait 2 jours qu'il chiale au bureau. Il pue. Bon alors, cham, cham, cham. Chamallow. Il est content. Hop, ligaturer des trompes. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a lui aussi. Hein. On va lui faire... On va lui couper. Hein. Alors, il gagnera désormais 22 simflouz de plus par an, soit 75 simflouz de l'euro total. Allez, tu vas me faire... tu vas me prendre un petit bain de mousse, va. Tu l'as bien mérité. Ah oui, ça courra, t'es chiante. Tu vas t'occuper de ton jardin. Tu vas tout vendre. En vrai, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Et après, tu iras t'entraîner au yoga. Ah, voilà, les trois mioches sont nés. Maintenant, on s'occupe à fond de ses compétences. Va être tranquille. Il vient de capter qu'il était pas pou encore. Ah, t'inquiète, elle s'occupera des gamins. Ouais, vas-y, je la laisse faire. On va voir si elle arrive à s'occuper de ses gosses toute seule ou s'il faut que je l'aide. Salut Louise, tu veux que je couvre, que je cale le mot cesser ou tout ou le ou monde? Et penser 20 000 points pour ça, c'est triste. C'est ce que je dis en plus quasiment tout le monde, tout le temps, donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce que... Ah bon? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette grenouillère? Bon, elle a rien à foutre, elle est partie... et sinon, c'est elle qui se tape un bain. Oh, bah, ça va, elle gère. C'est elle qui gère. Ah! Les cages des hamsters! Ah oui. Bah, attendez, je lui laisse prendre son bain. Elle va épicer. Elle va nettoyer l'habitat, et hop, faire une sieste. De toute façon, le bébé, si bébé pleure, elle sera réveillée. Hein. Fais-moi voir un peu. Ouais, 130. Il a 7,70 en écriture. Je sais pas si on arrivera à passer à niveau 8, hein. Faut qu'il fasse que ça. L'expérience avec deux enfants avant. Non, il continue de pleurer, hein. Mais...
Mais Marina. Ah non, et lui, il a des boutons. Quelle souplesse. Oh là, quel enfer. Il y en a qui sont souples dans le chat, qui font des trucs pareils. Ça fait peur. Moi, en plus de pas être souple, comme j'ai du gras, bah, je suis bloquée dans pas mal de mouvements. Et ça, c'est un peu triste quand même. Donc, du coup, bah, c'est comme ça. J'ai des voisins. Pareil que moi. Oh, j'ai mon titi qui se lève. Vous allez les entendre. Tu viens dire bonjour, mon titi? Hein? Viens faire bonjour. Viens. Bon, il viendra peut-être pas. C'est lui qui décide. Hein. Bah alors? Tu tremblotes encore, mon petit? Il commence à être fatigué. Puis il a faim, tout ça. Ok, bon bah. Tu vas aller manger un truc. Tu vas aller te prendre un bain. Alors, ils peuvent pas encore prendre de bain en mangeant. Ou manger en prenant un bain. Je suis aussi souple qu'un bout de bois, d'accord. J'aime cette comparaison. On y arrive doucement à la souplesse. Ouais, très doucement alors. Hein, parce que franchement, je suis raide comme un bout de bois. Souple, oui. Mais gêné par le gras de la poitrine. Ou gras, du coup. Ouais, je vois très bien, Toundra. Je vois très bien. Chiant, ces asticots là, ces asticots poilus qui servent d'hamster. Et hop, tu peux sortir s'il te plaît. Voilà, tu vas te faire piquer, tu vas avoir la rage. Ah non, c'est bon. Va vite, va au lit. Attention, chaton incoming. Chaton incoming. Bonjour monsieur Tyrion, comment allez-vous? Regarde là. Bonjour, c'est moi, le beau gosse. Il vient pour ses câlins. Par contre, je vois plus mon clavier, hein, Titi. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais t'es malade, hein. Tu viens pour tes câlins, Titi? Hein? Bah oui, il a fait sa sieste, un piquette. Moi, tu es mignon. Cul-cul titi. Cul-cul titi, regarde. Bonjour YouTube, comment tu vas? Moi, c'est Tyrion. Je suis un coquin. Il va se gratter. Oh, il a des puces. Tu veux faire un câlin? Fais un câlin. Oh oui. Oh, le gros câlin. Le gros câlin, oui. Des gros câlins, tu fais du gros câlin. Le petit néné. Je sais pas si y a des traces sur la cam, non, ça a l'air d'aller. Oh, petit cœur. Oh non, les gamines, elles sont réveillées. Ah, tu retournes au lit. Et l'autre, elle fait quoi? Non, tu vas pas réveiller ta mère. Et je vois plus rien, il est devant, donc. Je suis obligée de me mettre dans des... Hein? Tu veux pas te mettre là? Mets-toi là, Titi, ça me gênera moins. Il en a rien à foutre. Il va bientôt prendre ma place. Hein. Il va pouvoir live à ma place, lui, bientôt. Attendez, j'essaie de lui mettre une cam. Hein? Regardez, beau gosse. Un petit ton. Il fait des ronrons en plus. Normalement, vous devez peut-être l'entendre avec le micro. Hein? Le gosse.
Comment il est, c'est? C'est trop mignon. Ah là là. Il y a trois gosses qui vont pas bien. Ah, c'est la fatigue, hein, Titi, hein, ça. Attends, maman, elle va venir s'occuper de bébé là. C'est pas la même maman que toi, hein, Titi. Lui, il dort. Les deux gamines, elles ont faim. Je vais leur donner à bouffer. Venez manger là, les gosses. Regarde. Regarde, Thirion. Tu regardes les bébés à l'écran? Oui, il en a rien à foutre. Hein? Il regarde la cam en plus. Il fait trop mignon. Il fait trop rire. Il a dormi? Je vois rien. Je vois rien. Avec le titi. Je vois rien. Avec toi. Ouais, je vous montre mon chat, c'est quand même plus intéressant que ma tronche. Hein? 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 Bah, d'habitude, il a plus de gratouille et de câlin. Hein? Là, je suis occupée, hein, mon titi. Hein? Vous avez vu comme il est traumatisé, ce chat? C'est difficile, hein? Oh, qu'il est difficile d'être le roi de la France. Les deux gamines, elles mangent. Et dis donc, il a perdu du poids ou c'est moi, là? Beau gosse. Regarde comme il est beau. Regarde. Regarde, Thirion. T'as vu comme Chamallow, il est beau gosse, d'ailleurs, avec son petit caleçon rose, là. Oui, hein. Il donne envie, hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Petit coquin. N'inquiétez pas, après il va partir. Et si tu bosses, il bosse. Bah oui, il bosse au travail. Il bosse au travail. Oui, bien sûr, Charlie bosse au travail. Bah remarquez, il y en a, ils foutaient rien au travail. A plus, mon titi. Donc là, lui, il bosse au travail, notre ami Chamallow. Alors voilà. Je suis comme la caméra, j'ai plein de poils. Voilà, c'était c'était la minute Titi. Hein. Ça lui arrive de venir grimper sur le bureau, faire ses câlins. Il sait que maman, elle est toujours là sur le PC, donc il a trouvé la combine. C'est ah, j'ai compris, si je me mets entre elle et ces machins-là, elle s'occupe de moi. Ben, il a bien raison. Ah mince, c'est... ouais, après on s'en fout de la logique en vrai. Alors, il commence dans 1 heure. Oh la vache, regardez-moi ce qu'il fait. Souplesse. Ah, il est beau, Cham Cham, hein, hein. Je dirais pas non, hein. Il irait pas dormir dans ma douche, lui, hein. On est gaga avec nos habits, les bêtes. Mes loups sont partis chez la belle-mère pour la semaine de vacances avec le chien. Est-ce qu'ils ont des vacances, toi? Il fait son petit précieux. Voilà, c'était. J'espère que ça va me ramener du clic, hein, d'avoir mieux que Thirion soit venu, hein, quand même. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Ça va, Titi, ne confond pas la souris d'ordinateur à la souris du mur. Mais il y a pas de souris chez nous. Il peut y avoir des araignées. Mais il n'y a pas de souris. Une tarte au thon. Ah, t'as loupé là, c'est le moment Thirion, Guillaume, c'est dommage. Parce que Titi est venu nous faire un gros coucou là. Il a fait son beau gosse. Ah mais Biquette, mais joue, je sais pas. C'est pas comme si on avait... Regarde, ta sœur, elle a trouvé, hein. Elle prend le chat, bah oh là là. Faut tout lui dire à celle-ci, hein. Oh là là, c'est difficile d'être un enfant sans jouets. Bon, bah tu pourras aller bosser, mon Biquet. Oh, tu commences pas à 9h, en vrai. Si, un petit peu de retard. Oui, mais au moins, il va au boulot zen. Regardez-moi ça, concentré. Là, tu veux travailler dur si tu veux. Vas-y, 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 parle-lui, là. Ils sont chiants, ces rongeurs, en vrai. Vas-y, joue avec. Nettoyer ça. Oh, les gosses. Elle va pisser, toi. Elle, ça va encore. Hop.
Rapport de droit d'auteur. Bon. C'est vrai que j'avais dit, allez où bébé, il est là, j'ai oublié. Je l'avais oublié que je l'avais remisé dans le salon. Ah là là. Oh, on s'en fout, on demande de l'aide. Gain de performance moyen. Bah c'est bien, t'as fait caca. Bon, c'est bien, Biquette. Allez, tu peux empiler. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas pas voir la bambine, tu la laisses tranquille. Je vais faire des grimaces. Et tu babilles. À ta grande sœur. Bon, malheureusement, du coup, la génération pêche peut être encore masculine. Hein. On ne sait pas. Faudra qu'on voit ça plus tard. Tu vas essayer de te calmer, parce que si tu clames, on va retrouver chamallow. Père célibataire veuf, quoi, ça va pas être cool. Hein. Et coucou Justine, comment vas-tu? Toi aussi, t'as loupé le moment, hein, Tyrion, Justine. L'esprit de Cop-Cop est en train de disparaître. Oh bah non. Oh bah tristesse infinie, dis donc. Tu as enlevé la nourriture gâtée parce que c'est... elle est là depuis un bout de temps. Tu vas servir le déjeuner. Un petit bon sandwich là. Bon petit sandwich BLT. Voilà, les gamines elles jouent. Elle fait, elle est babillée à sa mère. Minuscule rongeur, Roger vous a apporté une carte postale de sa grande aventure. Ce petit rongeur a voyagé jusqu'à un endroit très lointain. Mais c'est trop cool. Donc du coup, elles sont dedans, là-dedans. Mais je l'ai déjà. Non mais Roger... Hein, il faut varier les vacances. Moi, je suis tristesse. Oui, on prend... Et ça nous a coûté 300 boules hein, pour avoir une vieille carte postale qu'on avait déjà. Eh, tu as faim, tu peux manger. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais on bosse. C'est bientôt l'anniversaire de Toya, déjà. Enfin, merci, Roger. Bah, j'avoue. Non, j'ai pas loupé, j'étais sortie le temps que mon ordi s'allait. Ah, t'as vu ma petite biquette de titoune, elle avait déjà retourné. Hein. Il est venu faire ses câlins, faire son beau gosse, genre, vous avez vu comme je suis beau. Puis c'est pareil, tu vois. Rien à foutre, en fait. Ouais. C'est bien comme ça, on range. Toi, tu pourras nettoyer. Pour faire une sieste aussi, tiens. Mais le temps qu'elle fasse ça, lui, il va se réveiller, il va gueuler. Ah non, il dort. Ah bah c'est elle qui pue maintenant. Ah oh, bon sang, oui, j'ai vu. Ah, un bain de mousse à Dahlia, allez. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, je savais qu'il allait pleurer celui-là, je le savais. Je le savais, I knew it. C'est toujours les gamins comme ça qui font chier le monde. Ah, elle a mis sa petite robe. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu... Oh, ça va, oui. Tu vas parler... Hé, hey, je t'ai dit non. Oh, la saleté. Elle promet, celle-ci, hein, je le sens. Elle va m'en faire voir de toutes les couleurs. Le nichon de maman, c'est super nourrissant. Et après sieste. Allez. Tu vas y arriver. Nous aussi. Voilà. Voilà. Les gosses. Allez, bah va te faire une sieste alors. Oh là là, les relous là. Tout le monde au lit. Tout le monde à la sieste. Oh. En ce temps-là, chamallow rentre du taf. Et il est encore malade. Prends des restes. Vas-y, fais-toi plaise. Bon, Sakura, ça suffit. Oh, elle est chiante. Ah, bébé pleure. Hein. Bébé s'est chié dessus.
Quel bonheur! Joli slogan. Charlie le fantôme sans. Oh bah j'ai pas changé depuis tout à l'heure. Hein. J'ai baissé d'un truc. Mais c'est bon là! Eh, comment ça casser les couilles la sœur? Alors qu'est-ce qu'on va te faire faire aujourd'hui mon biquet? On va te faire écrire. Alors, écrire un livre de genre, non-fiction. Si vous avez des titres dans le chat, c'est maintenant. On va manger en amoureux. Des bisous les copains. Des bisous. Bon appétit. Je suis pas sûre qu'on arrive au niveau 8 d'une des deux compétences. Mais... En fait, on est vendredi, donc là, on va être samedi, dimanche. Je pense qu'il va faire que ça, tout le week-end. Pour maxer, avancer les compétences au max. Après, on a le temps encore, mais bon. Après, on aura les gosses à s'occuper aussi, donc c'est bien, c'est chiant. Ben, j'ai plus d'idées. Ben, c'était quoi ton idée de tout à l'heure, déjà? Oh non, Quentin, en plus, je sais même pas de quoi tu parles. Donc, non, pas ce genre de titre. Roger le hamster astronaute. La comtesse a sauvé la merguez. Allez, j'aime bien ton titre Martial, mais comme j'ai pris celui de tout à l'heure, après c'est toi-même qui va te dire, tiens, elle prend deux fois le message de son modo. Donc tu vois, quand tu me fais des trucs comme ça, ça se retourne contre toi. Au final. Oh, c'est gentil. Bah, parce que tout à l'heure, j'ai déjà pris le truc de Martial. Donc là, je change un peu. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais pourquoi tu dors pas à la fin? Mais je leur ai pas donné à manger tout à l'heure, les gamines? C'est quoi cet enfant gouffre? Tu lui donnes à bouffer Putain, par contre, j'ai jamais de place pour mettre la bouffe. Hein. C'est un truc incroyable. Va manger. Est-ce que ta sœur qui est en train de danser la Macarena, là? Elle a faim ou pas? Même pas. Non. Par contre, tu peux aller pisser. Non, tu peux aller pisser. À toucher les ailes. Elle va pisser, ma cocotte. Toi, elle mange, c'est nickel. Hop, tu pourras regarder ta sœur qui fait caca ou pipi, on s'en fout. Oh la vache. Elle a une assiette aussi remplie que sa tête. Aussi grosse que sa tête. T'inquiète, je propose que oui, il n'y a rien d'autre. Oui. Ah bah, non mais ça va aller. Ah bah elle tricote. Tu nous tricotes quoi? On sait pas mais elle tricote. Allez Cham, compte sur toi, tu vas nous faire un bon bouquin là. Ah, on a un livre excellent. Alors vous inquiétez pas pour la publication des livres, on en a déjà. Le Rose et Moro, c'est excellent. Le P foireux est excellent également. Des titres absolument magnifiques. Hein. Hein, on ne va pas se le cacher. Amour encore. Ah bah tu vas demander à maman aller sur le pont. Celui-là. Oui, mais c'est bon, elle va s'occuper. Oh là là. Va demander à maman. Maman? Tu peux me montrer comment on va sur le pot, s'il te plaît? Tiens, oh bah tiens, des jouets pour les gosses. Des jouets pour les gamines. Un bonnet vert? Ah! Mais... D'accord. Il faut qu'elles soient toutes les deux assises pour... D'accord, ok. On est d'accord. Je crois qu'il y aurait le bug des bambins qui finissent jamais leurs assiettes. Tout à l'heure, ça me l'a fait. Mais là, j'ai l'impression que ça va, tu vois, sa faim, elle est remontée vraiment en haut, donc ça a l'air d'aller. Et toi, okay, bah, je sais pas, joue avec le dinosaure, tiens. Enfin, le dinosaure, oui, c'est un dinosaure, ça. Un dragon. Pardon. Papa est occupé, papa, il écrit des bouquins. Mais il a des boutons, il a d'eczéma, mais le P foireux est excellent, sorti de son contexte. Ah, Covid-aide.
Chamallow est Covid-aide, ça y est. A priori, il n'y a plus personne qui devrait mourir dans ses amis, à part elle. Ah, mais elle, elle va clamser bientôt, je le sens. Et comme il la connaît bien... C'est triste, hein. Oh! Eh, écris ton livre. Est-ce qu'on va faire le niveau 8? Oui! Eh! Hey, on peut le faire! Niveau 8. Du coup, j'ai loupé la naissance du bébé, c'est quoi? C'est un petit gars. Il s'appelle Toya. Voilà. Bébé numéro 3 est un petit gars. Et il est venu tout seul, bien sûr. Sinon, ça se verrait qu'il y en aurait deux. Non! Il a fini? J'ai pas fait gaffe. Il a pas fini son livre. Allez! Ah non! Oh non! Allez, tu vas me faire une sieste sur le truc, quand ton fils te réveillera. Allez. On peut le faire! Chamallow. Oh tiens, Sakura! Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu peux m'inviter à entrer. Merguez a très faim! Merguez va mourir! On va mettre les aux deux parce qu'on les connaît, les hamsters. Hein, en moins de deux, ils meurent. Hein. Ah, Chamallow. Pendant ce temps-là, il va combattre son rhume, eczéma, Covid. Voilà. Donc il pourra finir son livre. Reprendre l'écriture. Et sinon, Sakura, tu vas bien? J'avais dit qu'il allait gueuler, lui. Je le savais! On va quand même le nourrir parce que moi en général, s'ils gueulent, c'est pour parce que soit ils ont fait caca, soit parce qu'ils ont faim. C'est automatique, hein, les Sims chez moi. Rarement, c'est pour du social, les bébés. Du coup, ouais, un petit Toya. Il y a eu deux rounds de prénoms. Parce qu'il y a eu égalité parfaite avec Nectar, donc on a refait les votes et Toya a écrasé Nectar. Qui? Ah, c'est la petite là qui est... Qui est mouru de... Qui est mouru de... Voilà. Ah, il a terminé son livre. T'as terminé ton livre et est-ce que... Il est encore malade? Ça, ça m'exaspère. Oh non, on est à 4% du niveau 8. On est à 1h38. Je pense qu'on va faire une journée. Parce que je veux vraiment avancer dans les compétences. Donc, il va se faire un bain. Pour être bien, là. Sinon, tu sais, t'as ton fils à t'occuper. Au lieu de t'occuper de ta belle-sœur. On dirait qu'ils étaient plusieurs. Ça va, Sakura? T'es toujours pas mariée? Enfant, tout ça, non? Ça te donne pas envie de te reproduire, tout ça? Ouais, je peux comprendre. Et elle a la faim. C'est des gouffres, hein, ces gamines. Elles sont tout le temps en train d'avoir faim. C'est un truc de dingue. Oh bah c'est bien, elle s'occupe de faire le ménage en plus, Sakura, mais qu'elle est mignonne. Ah. Ah oui, ah, passer à travers le pouf, c'est un peu plus compliqué que qu'espérer. Hein. Et toi aussi, tu peux manger un truc. Lui, bon bah, il s'occupe. Hein. Faudrait améliorer le divertissement. Allez, va manger un truc. Oh la vache. Faut avoir envie d'aller bouffer avec des gamins qui gueulent. L'enfer. Faut la quatrième pour l'appeler Nectar. Non, plus je le sens mal, ce sera encore un garçon. Parce qu'on a envie d'une génération fille pour la prochaine, c'est tout. C'est pas méchant, c'est... Elles sont pas gloutonnes. Non, non, pas du tout. Je sais même plus le trait de Dahlia. Elle est quoi? Elle est curieuse. Et Melba est angélique. Donc ça va. Moi j'ai mis au pif, hein, parce que pour les bambins, ça c'est pas spécifié. Donc... Ah, il y avait soirée en ville. Je l'ai même pas vu. Il est 2h du mat. Mais Sakura... Oh, remarque, reste là s'il faut s'occuper des gosses. Ça nous aidera bien. J'avais pas vu l'heure, moi. Ah. Oh, ma bête. 2h du mat. Ah, bah oui, m'étonne qu'elle a mal au crâne.
Nectarine spam aussi pour une génération de pêche. Ah, bah tu vois, personne n'avait pensé, Kiki Sims. Personne n'y avait pensé. Pourquoi la gamine dort par terre? Pourquoi pas? Les voix des bambins sont impénétrables. Oh non, mais j'en ai marre de ces gosses. Pourquoi je les enchaîne moi aussi? Bon sang, bonsoir. Et encore, c'est une des rares générations où je n'ai pas eu de jumeaux. Je tiens à le signaler. Nous n'avons pas eu de jumeaux. Enfin, normalement, lui, il n'était pas jumeau non plus, mais bon. J'étais obligée de lui faire une jumelle, donc... Bon, quand tu veux, tu finis ton plat et tu vas te coucher, en fait. Allez. Il est 3 heures, là. Ouais, allez, salut, Sakura, à bientôt. À bientôt. Alors, je vais enregistrer là où j'en suis, parce que... Remember... Copper, on n'avait pas pu aller au bout de l'épisode. Marina visait jusqu'au bout s'occuper toute la baraque et Marmaille. Ah bah oui, mais elle a signé pour, hein. Il l'a rencontrée en boîte et a dit, et ça te dit qu'on fasse des crapulades dans le placard. Et puis en plus, si tu as des enfants avec moi, sache que tu travailleras carrément pas et tu t'occuperas des gosses. Mais va dormir, toi. Va pisser avant. Tu vas pisser, tu vas dormir. Si je mets pas sur play, forcément, on va pas le faire. Voilà. Fais-moi un bon gros caca qui pue. Ah, c'était un pipi. Ça l'a pas poussé. Ça a pas fait des bruits dégueulasses. Tu fais quoi? Mais va dormir. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire tout ça? Les Sims, ils font pas leur nuit. Mais pourquoi il y a plein d'ordures là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais plus rien ne va dans cette maison. Rapport de droit d'auteur, 729. On va savoir si le P foireux nous rapportera beaucoup d'argent ou pas. Eh ben écoute, si t'as vraiment envie de te lever, va t'occuper de ton fils. Voilà. Tu vas faire ça, tu vas manger. Oh. Bah, maman, elle a qu'à se lever. Allez! C'est la tâche de la mer, ça, l'allaitement, zut. Excusez-moi, hein, c'est mon héritier, je m'occupe de mon héritier. Oh la vache, oh, mais il devient de plus en plus beau gosse, là. Sans faire exprès, c'est le yoga qui fait ça. L'anniversaire de Toya. Bon, Sakura, elle commence à me courir, hein. Elle me sakourir, elle. Oh là 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 là. Elle a la faim aussi. Tiens, elle va mettre des proutes proutes, tiens. Tiens, prout prout. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? Pourquoi elle fait le tour de la baraque? Elle court partout. D'accord. Tu peux dire bonjour à... Montrer le jouet à Sakura. Bon, elle se lève, elle, ou... Pour Danette, ou comment ça se passe? Oh. Bon, par contre, il faut qu'il parle à quelqu'un. Parce qu'il se sent pas bien. Monter la tenue. Oh chérie, ce petit ensemble sexy de lingerie te va très très bien. L'enfer. Il y a trop de gosses. Mais parle Jean-Pierre alors. Bon bah tant pis, hein, tu vas me faire du yoga. Allez hop. Au taf. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais j'en ai marre des randoms, dégage de chez moi. Oh, mais elle fait peur. Ah, quelle est moche. Allez, tu peux le faire, chamallow. Un petit niveau 8 là. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Moi, j'aimerais avoir des triplés pour voir un peu, mais j'ai jamais eu, j'en ai eu qu'une seule fois. Putain, mais elle appelle alors qu'elle était là. Mais cassez-vous. Cassez-vous de chez moi, là, les Sims, là.
Et elle, qu'est-ce qu'elle fout? Mais elle est où? Mais rentre à de baraque, t'as des gosses qui t'attendent? Je crois que la comtesse, elle a voulu s'échapper. Trop de responsabilités chez elle, là. Trois enfants, non, non. Mais elle se casse pas, hein. Oui, Chamcham. Et Chamcham, il a d'autres objectifs aussi. Hein? Il y a ses compétences qui doivent s'en occuper déjà. Tiens, tu as ton jardin aussi, tu dois t'occuper de ton jardin. Ah, tu vas tout arroser, tu vas désherber et tu vas tout vendre. Non, tout vendre, pas récolter. Beaucoup. Oh là, hey, la vache, la souplesse. Vas-y, demain, je me mets au yoga. Et merci Calice pour ton follow. Bienvenue à toi. On arrive bientôt au 2100. C'était pas follow. C'est gratuit. Et c'est sympa. Et je fais beaucoup de Sims 4. Voilà. Puis du House Flipper. Et puis du Phasmophobia. Tout ça. Il va nous le faire, il va nous le faire. Oh, tu me saoules, Sakura. Hé, hey, elle est relou. Il faut lui trouver un mec, là, Sakura. Bon, lui a trouvé un mec. Et c'est à niveau 8. Il n'y avait pas à bouffer? Ah non, ils ont tout mangé. Attends, elle pue. Mais demande un bain à maman. Oh là là. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un bain, s'il te plaît, maman. Allez, un bain à maman. La petite. Oh là là là! Il n'y a rien qui va pour la petite. Ah, j'avais servi à bouffer, mais c'est pas assez apparemment. Clac! Allez, tiens, tu pourras manger. Mais non, mais t'étais sur le pot! Oh là 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 là. On va aller sur Chamallow. Lui, il est zen. Il s'occupe bien de son petit jardin. Et le bébé qui pleure. Allez. Ça faisait longtemps. Il s'est fait caca dessus, hein. Cacatoya, hein. Voilà. Pff. Allez, tu vas parler un petit peu, ça va te faire du bien au moral. Il va faire une petite... Mais... Et Sakura, elle me court sur le haricot. C'est parti, un livre de genre fantasy. N'hésitez pas à me donner des titres comme d'habitude. Ce qui me tue, moi, c'est l'équilibre qu'il faut pour le yoga. Mais d'ailleurs, ça, par contre, j'ai pas du tout. Ouais, mais je pense que c'est, ça s'acquiert aussi avec le temps. Sakura la casse bonbon. Sakura veut récupérer sa place héritière, j'avoue. C'était quoi ton titre tout à l'heure, Martial? Un titi se mord la queue. Parce que j'ai lu ton pseudo en même temps que le nom du livre. Ouais, mais je vois pas. Il y a... C'était quoi tout à l'heure, le Roger l'Hamster Astronaute? Allez. C'est bien, on va mettre ça. Hé oh, yeah. Oh non, faut prendre une douche. Et elle est buggée, reste chez nous, tranquille. Elle se balade à poil. Regardez les filles, quand vous serez plus grandes, vous serez comme maman. Hein? Voilà. Attends, elles sont un peu calmes, les gosses, là. Elle dort, ma petite bique. Oui, c'est ça, fait dodo, bichette. Oh la vache. J'en peux plus. Tu restes à poil dans la chambre des filles. Tout est normal dans ce jeu. Tout est normal. Allez, écrire. Ouais, il veut toujours pas. Mais allez, tu t'es lavé et tout. Comment ça, c'est sale?
M'a fait le ménage, écoute Jean-Pierre. Allez. C'était pas content. Elle reste à poil, elle, hein, tranquille. Hein. Allez. Allez, c'est de la bonne, là. En plus, c'est prêt pour le petit. T'as les nichons en l'air. Tranquille. Tout va bien. Ça va mieux? Tu veux écrire maintenant? Oui. Allez. C'est juste pour au moins arriver au niveau 8, quoi. Il est samedi soir 23h, on va s'arrêter là. On a 1h50 de record de live. C'est très bien. Regardez, il est un poil de chelu. 99%. Allez, tu peux le faire. Oui, 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 c'est bon ça. C'est bon ça. Ah, ça me fait plaisir. Bah, elle a pas l'air crade, la baignoire. Merci beaucoup, Robito King, pour ton follow. Non, elle est pas crade du tout. Non, non, elle est pas crade du tout. Mais c'est peut-être pas la meilleure baignoire, en fait, c'est pour ça. Bon, Bruxelles, bah, je sais pas où il a vu ça, mais bon. Elle est toujours à poil? Oui, on oublie elle qui est complètement buggée dans notre cuisine, hein. Ah bah oui, t'as faim, alors va pas crever chez moi. Va-t'en. Va crever ailleurs. Ça, je m'en fous que t'aies le cœur brisé. Ça, c'est pas mon problème. Que les choses reprennent un peu leur cours, non? Alors, ma biquette, je te conseille de manger. Et ensuite, d'aller dormir. Enfin, tu vas juste manger. Hein. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on la relookera, évidemment, la petite cuisine. Mais... Pour l'instant, est-ce que Cham Cham, il va faire pipi, il va prendre à manger. Ouh. Allez, vas-y, t'as... Ah, ça y est, il est content maintenant d'avoir fait son bouquin. Ça commence à devenir un petit peu calme? Un petit peu, pas beaucoup. Ah. Reset sim... Oh bah... Pff. Le plus fort, c'est le faire déboguer, donc c'est de faire ça. Quel est le chemin pour aller à la plage? Surtout une Sims aussi belle. Ça fait tellement plaisir de l'avoir chez nous. Oui! C'est barré, c'est bon. Merveilleux. Eh, tu peux aller dormir. Aller ici. Non, dormir. Dormir. Aller ici. Ok. Et qui c'est qui a pas. Elle a pas fini sa bouffe. Écoutez, on va finir sur un bon petit crac-crac des familles. Ça va remonter le moral de tout le monde. Non. Tu attends que ton homme te fasse des propositions indécentes. Oui, tu vas dans la grande chambre si tu veux. Voilà. Rêve de rongeur. Incroyable. C'est bientôt l'anniversaire de Dahlia. Et ben ça, on verra ça la semaine prochaine. Et après, c'est le Legacy, donc ce sera plus calme non plus. Non, en plus, on va partir sur Batou. Donc, moi, je vais vous capter ici. Merci, merci. Je remercie bien sûr mon producteur, mes parents, qui sans eux, je ne serais pas là. Et aux Sims, évidemment. Donc, je vous remercie YouTube d'avoir regardé cette rediffusion. On se retrouve la semaine prochaine pour... Et le petit... Bon, il pleure, et bien il continuera à pleurer. Pour l'anniversaire des trois gosses, je pense. Enfin, surtout la plus grande et puis le petit dernier qui grandira. Moi, j'enregistre ici. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas de commenter, liker tout ça. Ciao YouTube.